bazar. Attention les gars. C'est grâce à lui. Et à lui. Bravo, bravo. Sans lui, j'aurais rien fait. Allez, tu pars. Allez. Bon. Ah. Oh là là. Ah là là, c'est top. Plaisir. Je suis ébloui par les flashs. Ah, c'est comme pour de vrai. Il y a un peu d'artifice. C'est commencé. Merci. Ouais, santé. À vous tous. Bravo. Merci. Bravo. Et pour pas qu'on oublie, félicitations aux vainqueurs qui ont fait une super course. On a fait notre course comme c'était prévu, c'est-à-dire qu'on a fait au mieux avec les pépins, avec les bons moments, avec les pièges, voilà.
Donc là-dessus, on est super satisfait parce qu'on ne pensait pas arriver aussi vite. D'ailleurs, on a un petit regret, c'est que nos familles ne sont pas là, ne sont pas allées assez vite. Ils sont tous dans l'avion. Ils sont tous dans l'avion. Ils seront tous là demain matin. Non, moi, tout à l'heure. Mais ma femme arrive tout à l'heure. Voilà. Et en fait, avec Christophe, le défi, c'était déjà de partir. C'était déjà un gros challenge pour nous. Et puis après, de faire ce magnifique parcours dans des temps records pour nous, c'est parfait, quoi. Et en plus, on a une belle place au final. Donc, on voulait faire dans les 10 et on fait 8e. Donc, on est super contents. Vous avez résisté à R&D. Et on a résisté, on a mis le paquet à la fin là. On a fait plus de la moitié de la course, les deux tiers, sans avoir le vent. Cela dit, ça fait moins peur. Hein. Parce que quand on ne sait pas combien il y a de vent, finalement on laisse toute la toile. Ça agite un peu, on se demande pourquoi on prend des vagues dans la figure. Mais on n'a pas le vent. On avait l'angle, donc on pouvait quand même mettre le pilote. On avait le vent angle apparent, mais on n'a pas eu de vent pendant 15 jours. Et donc c'est dès que ça s'est calmé qu'il y avait moins de vagues, parce que je lui ai interdit de le faire avant, Sylvain est monté, s'est précipité en haut du mât. Puis on a eu des tas de problèmes aussi de transmission, on a mis plusieurs jours à avoir des fichiers météo, à faire nos connexions, enfin, des tas de petites bricoles. Le bateau était un peu secoué quand même sur les premiers jours, pourtant il était bien préparé, mais ça a secoué dans tous les sens, les contacts sont partis, etc. Donc il y a eu pas mal de bricolage, mais bon, on a fait le dos rond. Après, dans un deuxième temps, on a fait une tactique très ambitieuse à l'ouest et on a découvert ce qu'étaient les ondes d'est, hein, les mini-dépressions au sud des Canaries. Personne ne voit, mais il y a un gros trou avec pas de vent. On est les seuls dedans. Et puis après, le poteau noir, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on n'a pas été meilleur que les autres. Et puis après, on a été tout droit et c'est super. C'est la baleine que j'ai failli me prendre à 20 000 juste avant d'arriver là. Alors à 20 000, pour faire une photo, il a failli passer à l'eau, il a failli péter les deux safrans à 20 000 de l'arrivée, uniquement parce qu'il y a une baleine et un baleineau. Et un baleineau. Voilà. Que j'ai jamais vu. Hein. Ah non, il faisait la sieste. Mais moi, je me préparais pour la soirée. Sur la baleine. Voilà. Elle a eu peur, je crois. Oui, il n'y a pas que la baleine, parce qu'il était là avec sa tablette à prendre la photo, le bateau était Wolof. Oui, bien sûr. C'est ça qui m'a réveillé quand même, parce que normalement, avec 16 nœuds, on ne devait pas être à l'horizontale. Et toi, ton image forte ? Moi, mon image forte ? Non, c'est les deux images contrastées. Le départ était superbe. Ouais. Hein, le départ hyper émouvant, tonique, plein de couleurs, plein de monde, vraiment, vraiment chouette. Et puis une arrivée, la musique, les tam-tams, la fête, le feu d'artifice, c'est les deux extrêmes. Entre les deux, tout n'a pas été rose, mais ça, on le sait. Après, on l'oublie. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, c'est long quand même. Hein. C'est long, mais non, mais on est plutôt en forme. On est plutôt en forme. On s'est bien économisé. On s'est pas fait mal. On s'est pas blessé. On n'a pas fait les fous. On n'a pas été trop bourrin. On a essayé de faire marcher le bateau. On a été un peu attiré par les tam-tams tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est venu se coller à la côte. Oui, pourtant, on s'était dit, on prendra large, hein, parce qu'il n'y a pas de vent à la côte. Et puis, on voyait les trucs et on avait envie de se rapprocher, et puis, voilà. Ah ouais.